L'effectif total des candidats s'élève à 68 193, dont 1399 autodidactes, tous en provenance de 1283 écoles. Sont autorisés à se présenter aux épreuves de l'examen d'État édition 2020, premièrement, les finalistes certifiés de l'enseignement post-fondamental général de 3 ans et pédagogique de 4 ans, les diplômés de l'enseignement post-fondamental technique de niveau A2, 3 ans, et ceux des écoles paramédicales de niveau A2, 3 ans et 4 ans. Sont également invités à se présenter aux épreuves les candidats autodidactes, c'est-à-dire les élèves n'ayant pas réussi à l'une des sessions antérieures de l'examen d'État et désirant s'essayer pour une seconde fois. Ici, j'insiste, un autodidacte qui tente de se représenter une troisième fois verra ses résultats annulés conformément à l'article 3 du décret numéro 192 du 29 juin 2012 portant conditions d'obtention du diplôme d'État au Burundi. Troisièmement, le directeur des écoles hébergeant les centres de passation vérifie que les bancs pupitres sont suffisants suivant les effectifs des lauréats candidats, sont propres et en bon état. Quatrièmement, le président du centre de passation organise une réunion de tous les surveillants. Ils doivent inspecter les salles d'examen et écarter tout élément de nature à perturber la passation ou à inciter à la fraude. 5. Dans sa mission, le président du centre est épaulé par le co-président et les surveillants qui doivent avoir préalablement signé un acte d'engagement pour de bonnes prestations. Sixièmement, le port de téléphone mobile, même éteint, est strictement interdit aux élèves dans la salle d'examen. Pour tout candidat qui gardera, si lui, un téléphone mobile dans la salle d'examen, il verra toutes ses épreuves annulées sans autre forme de procès. 7. À la fin de chaque épreuve, les copies sont ramassées section par section et par ordre croissant des numéros d'inscription. 8. Des irrégularités éventuelles sont consignées dans un procès verbal signé par le président du centre et tous les surveillants. La perte d'une ou des copies des candidats est à éviter et est passible de sanctions disciplinaires. 10. Les colis sont conservés dans un endroit sécurisé en attendant la correction.